Et salut, c'est Seb, on se retrouve sur Gran Turismo Sport. Ça fait quasiment même plus d'un mois, je crois que je vous ai pas proposé de vidéo. Donc en alternant avec mes vidéos sur le test, comme vous suivez pas mal du HP River, bah, pour ceux qui me suivent sur Gran Turismo Sport, je n'ai pas abandonné Gran Turismo Sport, mais bien évidemment, j'ai pas mal de taf, comme vous pouvez l'imaginer, entre la chaîne et le boulot et la vie de famille. Bref, je vais pas vous expliquer toute ma life, vous comprendrez aisément. Alors ici, on est parti sur Dragon Trail Jardin 2. Je suis en championnat constructeur, on est parti pour 20 tours, donc pas beaucoup de training, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, c'est mon deuxième essai sur cette vidéo, donc je vous laisse voir un peu. Donc bien évidemment, je vous spoil tout de suite, je suis pas forcément très bien placé, je suis pas, comme on peut appeler dans le jargon, un alien, hein, forcément je suis un pilote entre guillemets comme vous et moi, donc voilà, on est là pour s'amuser avant tout, sinon je vois pas à quoi ça sert. Allez, je vous laisse regarder la course et on se retrouve dans les commentaires. Tchuss! Et salut! Et oui, en ce début d'année, je n'oublie pas les amateurs de GT Sport. Je roule toujours dessus de façon un peu plus occasionnelle, mais on est parti pour la FIA Manche Constructeur. Donc ça va être la saison 2, course 6 sur Dragon Trail Jardin 2. On est en groupe 3 et il y a 20 tours à faire. Particularité, il faut monter les trois types de pneus. Donc soft, tendre, médium. J'ai réussi, je crois, le 12e tour. Donc voilà, pendant les qualifs, il n'y a que 5 minutes de qualif. Donc je vous avouerai que c'est assez compliqué de trouver un bon créneau pour pouvoir faire son temps. Bon, on va essayer de se sortir. Je vais partir avec les durs pour essayer de faire une stratégie décalée et rester dans le groupe. Et profiter de la speed des gars pendant au moins 7-8 tours. Alors je sais que ça va être compliqué, hein, mais on va essayer de partir comme ça. Et puis on va voir ce que ça donne. De toute façon, en termes de rapidité, comme j'ai fait le 12e temps, je suis pas forcément dans le lot de tête. Mais je pense qu'il y a moyen de s'amuser, de se faire plaisir. Donc voilà, on verra bien. Vous voyez, donc, je suis 11e avec ma Ford GT. On regarde comment ça se passe. C'est parti. On se retrouve sur les grilles de départ. Allez, donc on est parti pour 20 tours. Alors merci au passage à Franck qui me donne à chaque fois qui me rappelle les courses. Parce que c'est vrai que avec les différentes simu auxquelles je roule, soit sur console, sur GT Sport et PC, et toutes les vidéos que j'ai à faire, enfin que j'ai à faire, que je fais en tout cas pour vous, puis pour moi aussi, eh bien c'est vrai que j'ai pas toujours l'esprit à me rappeler que c'est le planning pour faire la course. Donc on est parti. Allez. Pas toujours très propre, hein, je dois le dire là sur les essais que j'ai pu faire. Alors, il me semble que j'ai mis le traction control 1, mais les pneus froids ça pardonne pas. Qui me colle déjà. Voilà, petite erreur déjà, qui me coûte pas trop cher, mis à part une place. Allez, on va essayer quand même de rester groupé. Je pense faire à peu près. Je sais pas, 7-8 tours avec les hards. Je me méfie, hein, derrière il est là, mais il doit être plus rapide, puisque de toute façon je pense pas qu'il a pris les hards. Donc je me bats un peu avec la voiture. Ah, vous voyez, ça pite déjà. Hein. Ça, je pense que c'est les gars qui font des stratégies où ils mettent les durs, ils rentrent tout de suite. Forcément, mes distances de freinage sont plus allongées. Derrière, il doit être en train de rager, je pense. Faut faire avec ça. Il va tenter d'y aller. On va pas insister, hein, on va pas se mettre dedans.
va assurer sa son petit train. J'aurais dû passer de l'autre côté. Ah, je serais pas bon freinage. Petite erreur de ma part. Je l'avais vu. Je vous rassure. Naspi. Douzième, on n'est pas si mal. Hein. Tu peux mettre son Naspi à là devant là. Ah, le tout c'est de pas le suivre. Souvent c'est l'erreur hein, de pas faire. Quand un mec se met au tas, tu le suis. Je pense qu'il y en a, ils passent deux fois les softs à mon avis, les tendres. Je vois que ça. Ouh, ça passe. Je suis dans le rythme, derrière il se décale. Ça va, il est pas non plus trop agressif. Il sait qu'il perd du temps, mais bon. Là, je suis bien, vraiment. Je vais me mettre là. Si je peux passer, il passera. Moi, je reste ici. Ouais. Je vais laisser parce que... Ah oui, mais grand. Soit il va ou... Je sais pas, mais c'est pas la peine de... faire semblant et de pas y aller au final. Hein. Ça nous fait perdre du temps à tous les deux. Allez, là tu peux y aller. T'es encore loin, hein. Tu vas m'embêter. Mais comment je l'ai rattrapé ici? Mais comment je l'ai rattrapé?
Là, ça va être compliqué. Allez, je vais laisser passer, les gars. On n'est pas dans la même stratégie. Prendre ton aspire. Allez, on va essayer de vous battre. De toute façon, ici, je suis pas bon. On va essayer quand même de profiter de votre aspiration. J'ai mal pris, je suis déjà très loin. Derrière, ça va encore. On a encore un ou deux tours, je pense. Il y a du monde derrière. Ça va tomber, je vais bientôt piter. Faudrait pas qu'il m'attrape avant. On est pas mal là. Pas trop gourmand ici en cet enchaînement. Là, je l'ai été un petit peu, j'espère que ça va pas me prendre une pénalité. Moyennement pris, hein. Dernier tour, après je passe les tendres. Pas très bon, pas très bon. Les pneus commencent vraiment à... Non, non, on fait un dernier. Ça revient. Non, pourquoi tu passes la première, putain? Allez. Je me prends pas de pénalité. Vas-y, les gars. Peut-être l'erreur à ne pas faire. J'ai peut-être fait un tour de trop, je sais pas.
Non, derrière, tu arrives de où là? T'as vu d'où t'arrives un peu? Allez, étendre. Hop, pas de plein. Allez, il est mieux sorti que moi, lui. Donc c'est freinage tardif. 15e en sortie, je sais même pas si c'est bon. On mettra les tendres quand ceux-là ils seront bien rincés. Allez, le TC, on va le baisser cette fois-ci. Je me trompe dans mes... Le cafouille. Oui. Il y en avait un sur la droite, je l'ai vu, mais j'ai voulu l'éviter. Et voilà, je me mets très loin. Allez, c'est bien fait pour toi, tes 3 secondes, tu les as pas volées. Arrivé comme un dingue. Ouais, ça fait drôle, hein. Et voilà. Allez, donne-moi ton aspiration, toi. Mi-course. Pas là le sens, monsieur. Pas vu beaucoup de Français sur cette session.
Allez, ça va se bagarrer là. Il est passé tranquille le 9 à la rose. Mais freine pas là, mais freine pas là, mais je suis à côté de toi, élargis un peu, bordel. Ça passait tranquille à deux. Bien pris, bien sorti. Perdu le RFP, je vais y arriver, je sais pas de où, de comment. Touché certainement. Ça. On va avoir des difficultés. Je vais peut-être passer. Voilà, traction à 1. Aussi ici. Mais toi, il est temps de passer les médiums, je crois. Passer même maintenant. Encore une fois, il y a le 7e devant, le 6e, mais je ne connais pas du tout leur stratégie, donc on va voir ce que ça donne. Ouf, oui, je me suis déjà fait voir ici. Faut se méfier. Allez, ça va être ici. Les médiums. Allez. Les médiums. Et on fait pas le plein. Qu'est-ce que ça va donner tout ça? On va sortir combien? 10e? 11e?
Je suis sorti devant la Porsche, 9ème. Allez. À la Porsche La Rose, je sais même pas si c'est une Porsche, j'ai pas fait gaffe. Ah, les 5 tours ils vont tenir. Hein. On va laisser à 1 pour l'instant. Ah, là-bas au bout ça sort. J'avais vu, hein, il est là, juste à ma droite, je le vois. Je vais pas le bloquer, hein, de toute façon, il est juste là donc. Plus rapide hein, donc je sais pas ce qu'il a mis comme pneu. Allez, on va enlever le TCA1, les pneus sont chauds. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je bloque? Non, 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 c'est pas bien ça. C'était pas tatrage normal, c'est pas bien. C'est pas grave. Si je peux te faire la même, je vais te refaire la même. C'est pas grave, il reste encore 5 tours. Ouais, il est plus rapide. Merde, j'ai voulu accélérer plus vite. Derrière, il va pas me lâcher non plus derrière. Allez. Bienvenue. Ah, j'ai pas vu ma corde hein, avec lui. Ça va être chaud avec lui, je pense, jusqu'à la fin.
Je me suis mis en difficulté. Il a pas l'air bien bien mieux que moi. Il va rester deux tours, donc ça va être compliqué. On revient sur le P8, j'ai l'impression. Ah, j'aurais lâché. Ouais, je l'ai mal passé. Je l'ai mal passé. Ça va derrière, ça revient pas, mais je l'ai mal passé. P8, il y en a un qui était au stand. Il y en a deux qui sortent là. On va protéger comme on peut. C'est pas simple. Ouais, tu vas attaquer, mais... T'as pas les moyens, t'as plus les moyens d'attaquer. Il est assez loin. Il va peut-être être gêné par le P6. Ah, c'est le dernier tour. Autant vous dire, moins d'une erreur, ça va être compliqué. Quand faut-il que moi je fasse pas d'erreur? Du style comme ça. Ou du style comme ça. Ça va se battre là-bas au freinage. Règle ou pas. Ça va essayer de décroiser. Vous voyez du 0,5 de pénalité. Est-ce que je peux en profiter? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Oh, quoique. Non, il est trop loin. Il est trop loin. Ah, ça s'est pas joué à grand chose, hein. Très honnêtement. Ça s'est pas joué à beaucoup. J'aurais pu prendre la 7ème place. Oui, c'était tendu. Hein. C'est un circuit que je suis pas forcément. Je ne suis pas forcément fan. Là, la stratégie, clairement, je crois pas que c'était la meilleure. Peut-être que rentrer avec les durs au but du premier tour et faire deux runs de tendre. Je sais pas. J'ai même pas eu le temps de regarder en fait combien de temps on perd en. Temps au tour par rapport en tendre et hard. Bref, c'est pas bien grave, on va regarder, on va voir la fin, mais je pense que je vais terminer quand même 8ème. Bon, vu ma course et vu ma place au qualif, je pense que c'est quand même pas mal. J'espère marquer peut-être plus de 55 points. Ce serait intéressant. On va voir, je ne sais pas. On va laisser le temps que la course se termine. Alors, je regarde s'il y avait d'autres Français. Non, j'étais le seul, invisiblement.
Ah non, il y en a un autre, Lolo Clean Auto, il finit 16ème. Alors au niveau des points, 62, je crois, 61, j'étais pas loin. Bon voilà, bon, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Moi c'était une bonne petite course, sans prise de tête, à la cool, comme d'hab sur GT Sport. Et bien je vous dis à une prochaine, plus, tchuss.